Of course we keep on going, though everybody know it. The truth about our way, we tied it loose ends up, I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we always made, and now let's face it. Elle est rentrée. Poteau. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai une question. Eric, on a le droit de découvrir les lifters. Pardon ? On a le droit de découvrir les lifters. Mais vous le connaissez, là, vous ne me la posez pas la question. Laisse tomber, laisse tomber. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est bon pour moi. Avantage terminé sur l'en avant. Ça va, merci. Après. Deux et sept, sept. Restez au ballon, restez derrière le ballon. C'est compliqué d'enchaîner les mêlées, ça pique un peu?
Bah, quand on joue trois quarts, ouais, et puis quand on n'a pas les bons crampons aussi, on patine un peu, mais voilà. Voilà, je suis content quand même d'avoir aidé l'équipe à assurer nos mêlées sur la fin de match, même si ça a été très difficile. Voilà, ce qui compte le plus pour nous, c'est la victoire aujourd'hui. On est venu avec des intentions. Voilà, on n'a pas beaucoup joué, mais on s'appuyait sur une grosse défense et des turnovers où on a scoré. Donc voilà, on a fait le match à l'extérieur parfait. Voilà, le score il est là et puis on est content vraiment. Avec surtout une première mi-temps très réaliste. Hein. On était réaliste. Mornechain nous a bien aidé dans son jeu au pied. Voilà, on a vraiment essayé d'occuper le terrain et puis s'appuyer, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une grosse défense. Voilà, après on marque sur un exploit de Gaël aussi qui traverse la défense. Donc voilà, ça fait plaisir de regagner à l'extérieur après Perpignan. Et puis surtout sur une nouvelle saison, on a beaucoup d'objectifs et on a envie de jouer le haut de tableau. Ben, ça fait plaisir d'enchaîner des belles victoires. Alors il y a eu un petit relâchement quand même en deuxième mi-temps qui n'a pas été grave puisque vous avez quand même conservé la victoire dans ce match, mais qui aurait pu être plus compliqué à gérer si les Palois avaient scoré une nouvelle fois. Ils ont fait pas mal de fautes de main. Après, c'est aussi dû à nos défenses, on a été quand même assez agressifs. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore forcément, même après une victoire, il y a toujours du travail. Et en l'occurrence, on a eu quand même du déchet sur la fin de match. Et en plus de ça, on perd Arthur Coville, j'espère pour pas longtemps. Mais voilà, mais l'essentiel, c'est la victoire. Et puis au boulot pour le derby la semaine prochaine.